احنا اتكلمنا عن وجهة نظرنا واحنا بيشغلنا ايه، وايه الاسئله والاستفسارات والتشكيل والطريقه والسيناريو بتاع المواجهه اللي بالتاكيد هتكون صعبه، لكن مهم كمان نسمع وجهه نظر سنغالي. معانا واحد من طبعا نجوم منتخب السنغال، نجوم الجيل الذهبي الحقيقه لمنتخب السنغال، لعب كاس العالم 2002 واللي تالق يمكن لو تفتكروا او لو تابعتوا البطوله دي في المباراه الافتتاحيه وقدر يكسب فرنسا اللي كانت في التوقيت ده هي حامل لقب بطوله كاس العالم، جيل طبعا ما ننساهوش، ابرزه طبعا خليلو فديجا، حاج ديوف، وطبعا عمر ديالو اللي هيكون معانا من خلال رساله خاصنا بيها في السادسه اتكلم فيها عن رؤيته للمباراه وعلى اوج الصعوبه في مواجهه المنتخب المصري، رؤيتهم ايه للمباراه. خلينا نشوف قال ايه ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل. Assalamu alaikum à tous. Je pense que hier le match a été vraiment un match de haut niveau où il y avait beaucoup d'impact. Déjà félicitations à l'Égypte qui a su faire son match dès la quatrième minute. Il marque le but avec un Salah qui a été bien en première période et qu'après en deuxième période il a un peu été effacé avec le numéro 6 qui a fermé le couloir droit du Sénégal. Tactiquement, l'Égypte était vraiment en place et qu'aujourd'hui, en deuxième période, le Sénégal a essayé de faire tout pour marquer. Mais malheureusement, pour nous, les Sénégalais, ça ne s'est pas fait. Félicitations encore, comme je l'ai dit, pour l'Égypte. Et maintenant, je pense qu'au match retour, le Sénégal aura beaucoup de chances pour gagner. Et il doit faire aussi beaucoup attention pour ne pas que l'Égypte marque, parce que l'Égypte a une bonne assise défensive. Et tactiquement, ils sont très bien en place. Et concernant les autres équipes, je pense que les deuxièmes matchs vont être décisifs pour tout le monde. Même si l'Algérie a gagné en Cameroun 1-0, même si le Maroc a fait match nul 1-1, même si la Tunisie gagne le Mali, Nigeria, Ghana 0-0. Moi, je pense que c'est les deuxièmes matchs qui vont être décisifs. Donc, mardi, ça sera des finales. Et la seule équipe que je souhaite qu'il gagne et que je veux que ça soit elle, c'est le Sénégal en tant que Sénégalais. Mais je pense que toutes les cinq équipes qui vont nous représenter seront vraiment à la hauteur et qu'on aura de bons représentants à la Coupe du Monde Qatar 2022. Shukran, salam alaikum wa rahmatullah.